petit peu maintenant. Et tu tues encore, tu peux avancer d'un mètre. Normalement, toi, c'est vachement haut, c'est long, tu vas tranquillement vent arrière, et ensuite, si t'es trop long, ben, on fera des 8. Mais pour l'instant, tu vas chercher ta vent arrière comme ça, c'est très bien. Regarde bien ton panneau orange. Et concentre sur toi sur ton décollage, sur les phases que tu fais, je m'occupe de ça. Hop. Hein, faut vraiment que tu y penses, parce que moi, je pense pas à tout non plus. Qu'on répare ce truc-là, qu'on mette un truc plus facile à utiliser en machine. Ah oui, oui. On va avoir un problème. Nico, derrière, tu reviens un petit peu quand même en direction de ton terrain, s'il te plaît. Nico. Est-ce que tu fais pas le genre de truc? Quand je dis pas stop, tu vas pas t'arrêter, tu continues, hein. Tu continues tes phases. Voilà, on avance un petit peu, on va se centrer. Doucement, doucement. Voilà. Les mains derrière, il faut que tu avances, hein. Voilà, faut pas trop maintenant s'éloigner, il faut venir tranquillement au bout de son terrain. Du casse-toi un tout petit peu par là. Ça, et là, hop, je mets les mains derrière et j'avance en jouant les grands coulées. Je t'avance un petit peu, cette normalement, elle sera verticale à peu près ici. Voilà, donc tu vois, faut que tu viennes au moins jusque là. Ok. Ouais. Ah ben, tu m'en sois toujours, mon chien. Oui. Main derrière. Et j'avance. Allez, encore, my dream is to fly over the rainbow.
pas, donc c'est deux virages pour revenir s'aligner et se poser sur ton terrain. Donc non, le panneau est en place, je t'ai dit de passer sur ton panneau, alors reviens, tu peux voir là. Allez, apparemment, je n'ai pas compris. Passe sur ton panneau orange. Voilà, on va. Ok. Voilà, viens, tu vois. J'ai ralenti un peu trop tôt à la fin. C'est arrivé sur moi, mais comme un protocole, ça lui a été hein. Comme un protocole, par contre, le... d'arrêter la voile trop tôt, là tu te mets vite en danger. Du coup, en fait, ça t'a un peu plus violent que d'habitude. Voilà, mais sinon, ben là il n'y a pas de vent non plus, t'as vu, il n'y a rien qui te tient. T'as bien géré ton virage, après t'as vu, t'as compris, t'es arrivé un peu haut, mais c'est pas le problème d'arriver haut, c'est que t'es en sécurité. Après t'as fait ta petite baïonnette là-bas, hop, et t'es revenu, t'es nickel. Regarde, t'as quoi 20 mètres de... Je préfère ta petite tapette.